Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à faire le grand écart dans votre comportement quotidien. En effet, pour bien nous conduire dans la vie, pour bien nous conduire selon la volonté de Dieu, nous devons à la fois imiter Dieu et à la fois imiter l'enfant. Donc, imiter le plus grand des êtres et imiter le plus petit des êtres. Ben voilà, l'imitation que nous devons vivre, c'est bien le grand écart, Dieu ou un tout petit enfant. Jésus vient de le dire, c'est aux enfants qu'appartient le royaume de Dieu. Pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir un cœur d'enfant. Et voilà que dans l'Évangile, Jésus nous rappelle le récit de la création. Au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme. Et si on lit toute la phrase dans le récit de la Genèse, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». À l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes, il les créa. Donc si nous sommes l'image de Dieu, il faut lui ressembler. Comment lui ressembler et en même temps ressembler aux petits-enfants? Eh bien, ressembler à Dieu, c'est d'abord être créateur ou être créatif, comme on le dit aujourd'hui, c'est-à-dire créer du neuf. Quand on se rencontre avec des personnes, on se dit bonjour, mais on dit quoi de neuf? Bien souvent, la réponse, oh rien, c'est la routine. Ou alors on dira, oh, je fais tourner le système tourne, bon, il n'y a rien de neuf. Ben, ça, c'est un peu dommage, il n'y a jamais rien de neuf dans la vie est un peu triste. Et donc, si on veut sortir de cette routine, il faut faire fonctionner notre imagination, notre courage, notre audace, et être créateur de nouveautés, c'est-à-dire, ben oui, proposer des idées nouvelles, là où nous sommes, ça peut être dans le travail, la vie professionnelle, dans la famille, dans une paroisse, etc., proposer des idées nouvelles ou des activités nouvelles. En ce moment, sur Lyon, il y a le congrès mission pour l'Église, il y a plusieurs lieux en France, et il y a dedans, dans ce congrès, il y a tous ceux qui ont envie d'inventer l'Église autrement, d'inventer un peu la mission autrement aujourd'hui. Que faire pour que l'Église touche ceux qui ne viennent pas et qui viennent de moins en moins vers nous? Donc voilà, il faut faire preuve d'imagination dans l'Église, dans la société, dans notre vie personnelle. Créer du neuf, ce n'est pas tout révolutionner. Créer du neuf, c'est donc proposer
des idées, des actions qui font avancer les choses, qui font que ça va bouger, qu'on va un peu avancer ensemble. Donc, si nous voulons imiter Dieu, faisons preuve de créativité, d'audace, d'imagination. Une petite question, puisqu'on est au début d'une nouvelle année pastorale, qu'est-ce que je vais faire de nouveau cette année? Voilà, les activités reprennent, la vie paroissiale aussi, qu'est-ce que je vais faire de neuf? Pour justement avoir du dynamisme en moi, car quand on fait du neuf, il y a du souffle, il y a du dynamisme. Si c'est la routine, on s'éteint un peu. Ressembler à Dieu, c'est bien sûr aussi, et avant tout, vivre dans l'amour. Dieu est amour. C'est une conviction de toute la Bible. Mais aimer comme Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire créer du lien. On parle beaucoup aujourd'hui du lien. Il faut faire du lien dans une société où il y a trop d'individualisme, de chacun pour soi. Aimer pour créer du lien, pour créer de l'unité, pour créer de la communion. Et si on veut vraiment aimer, il faut que les liens qu'on crée soient vivants et même il faut que ces liens soient durables, indestructibles et même sacrés. C'est ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui avec le mariage. Dieu les fit hommes et femmes, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Le mariage, un lien sacré. Mais il y a beaucoup d'autres liens que nous devons créer. Des liens amicaux, des liens fraternels, des liens avec tous ceux qui sont comme nous, comme avec ceux qui sont différents. Donc soyons créateurs de liens, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Et donc, essayons de créer ces liens. Et si on crée ces liens, il faut les entretenir. Il faut les entretenir, il faut soigner les liens qu'on a déjà créés. Soigner les liens qu'on a créés, c'est quoi? C'est d'abord dialoguer, discuter. Quand on n'a plus rien à se dire, c'est que ça va mal. Il faut discuter, échanger. Il faut aussi, bien sûr, avoir des activités ensemble, des actions ensemble. Quand on agit ensemble, les liens sont bien plus forts que simplement quand on discute. Il faut tout simplement prendre de temps en temps des moments de convivialité, d'amitié gratuite. Et puis, quand on est dans la distance, il faut se téléphoner, prendre des nouvelles, s'écrire, etc. Et aujourd'hui, les moyens de communication ne manquent pas pour entretenir tous nos liens. Et puis, si on veut encore aller plus loin, il faut essayer d'approfondir nos liens. Il faut les entretenir, mais les approfondir. Les approfondir, c'est-à-dire essayer d'arriver même au partage spirituel avec nos proches, dans une famille, avec nos amis, discuter de notre foi, de nos valeurs, de nos convictions, du sens que nous donnons à la vie. Plus nous approfondirons nos liens par des partages spirituels, plus nos liens seront à l'image des liens que Dieu veut créer avec l'homme. Dieu, depuis toujours, veut avec l'homme créer des liens d'amour et des liens de ressemblance, donc des liens vraiment spirituels. Donc pour ressembler à Dieu, soyons créateurs, vivons dans l'amour qui crée des liens durables, et puis ayons des projets. Dieu, ça c'est la conviction de toute la Bible, a un projet sur le monde. Il veut rassembler tous les hommes, il a créé les hommes pour les rassembler dans son amour, pour les faire vivre Dieu éternellement dans son amour. Et ce projet d'amour, tout à l'heure on l'a entendu dans la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. Voilà ce que Dieu veut, que tous les hommes soient ses fils et ses filles, et qu'il les entraîne dans la gloire éternelle, la gloire de la résurrection. Et puis, pour arriver à réaliser ce projet, il y a Jésus qui est au centre de ce projet, et à la fin de la première lecture, il y avait cette phrase, « Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères, d'appeler tous les hommes ses frères. » Donc voilà, nous pouvons nous-mêmes travailler à cette fraternité. Et c'est bien là aussi une question qu'on peut se poser en ce début d'année. Quels sont nos projets pour cette année? Et comment nos projets vont nous aider à créer plus de fraternité là où nous sommes? Projet d'année. Quel est notre projet prioritaire chacun pour l'année qui vient? Et puis ressembler à Dieu, c'est bien sûr aussi chercher à nous perfectionner, chercher à progresser. Parce que dans le sermon sur la montagne, à la fin du sermon sur la montagne, Jésus met la barre très haut. Soyez parfaits comme le Père du ciel est parfait. Être chrétien, c'est viser la perfection. Alors on en est loin, on ne l'atteindra peut-être jamais, mais il faut y tendre. Et donc,
la perfection, c'est chercher à progresser. Progresser dans la vie humaine, chercher à faire mieux que ce qu'on a fait, progresser dans les relations, progresser sur le plan spirituel, progresser dans la mise en pratique des valeurs de l'Évangile. Donc, on est tous invités à progresser. Et quand on progresse, on est heureux. Quand on fait mieux que ce qu'on a fait, ben c'est la question aussi qu'on peut se poser. Quels sont les progrès que je devrais faire en ce moment? Surtout dans les domaines où j'ai tendance à me laisser aller ou à être un peu blasé. Bon, je n'ai plus rien à faire, je suis comme ça, je n'ai pas la peine que je change. Eh bien, essayons donc de ressembler à Dieu avec ce désir d'être des créateurs, ce désir de créer des relations d'amour, ce désir d'avoir des beaux projets et ce désir de progresser dans tous les domaines de notre vie, ou au moins dans un ou deux domaines. Mais si on ressemble à Dieu, est-ce qu'on est loin d'être des enfants? Est-ce que quand on se prend pour Dieu, c'est qu'on va peut-être... on ne sait peut-être pas tout à fait rester un enfant? Eh bien, on doit pourtant joindre les deux bouts, être à la fois comme Dieu et comme des petits-enfants. Alors ça rejoint ce que Jésus nous a déjà dit il y a une quinzaine de jours, et c'est un fil conducteur. C'est souvent que dans l'Évangile, Jésus revient sur ce fil conducteur. Être enfant, c'est quoi? Ben d'abord, c'est vivre dans la confiance. Un enfant fait confiance aux adultes, à ses parents d'abord, à ses maîtres, à ses instituteurs, à ses catéchistes. Ben nous, on doit faire confiance en Dieu qui nous aime, c'est un Père. Il est toujours avec nous. Et donc, au lieu d'être inquiet, justement, dans nos projets ou dans notre vision du monde, ben on sait que Dieu est avec nous, donc gardons confiance. Mais en même temps, ayons confiance dans les autres, surtout ceux avec qui on vit, notre famille, justement, notre conjoint, nos enfants, nos proches, nos parents, nos amis. On ne peut pas vivre seul. Et justement, il n'est pas bon que l'homme soit seul, nous a rappelé la première lecture. On doit vivre avec les autres, mais pour vivre vraiment avec les autres, il faut leur faire confiance, savoir qu'ils seront là pour nous aider et vivre une aide réciproque, on les aide et nous aide. Donc, vivons dans la confiance en Dieu et dans les autres. Et pour ressembler aux enfants, restons simples, naturels, spontanés, c'est-à-dire restons nous-mêmes, sans jouer un jeu, sans être des hypocrites, sans jouer des personnages, sans chercher à être ce que nous ne sommes pas, ou à paraître. Souvent on cherche à paraître, donc restons spontanés et naturels. Et pour ressembler aux enfants, bien sûr, il faut s'émerveiller, s'étonner, poser des questions. Les enfants posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ci? Pourquoi là? Ben parce qu'ils sont curieux. Alors que bien souvent, à partir d'un certain âge, on a l'impression qu'on n'a plus rien à découvrir et on est un peu blasé. Eh bien, ressemblons aux enfants en étant toujours désireux de connaître et même de nous émerveiller. Alors, comment joindre ces deux extrémités, Dieu et l'enfant? Eh bien, si on cherche bien, peut-être que l'enfant, il n'est pas si loin que de tout ce que je viens de dire sur Dieu. En effet, un enfant, il est créatif. Un enfant, il veut de la nouveauté, il a plein d'imagination. Quand il joue, il imagine plein de choses. Donc être créatif et être enfant, ça va ensemble. Et puis, un enfant, c'est un créateur de liens. Il aime rencontrer les autres, il n'a pas envie d'être seul. Il a envie d'avoir des copains, il a envie d'avoir des amis. Et puis dans une famille où il y a des enfants, ben, ça bouge, les liens se créent. Et souvent, ben, grâce aux enfants, les parents se rencontrent, les familles se rencontrent, ça crée du lien. Donc, ça va avec ce qu'on a dit, Dieu, créateur, l'enfant est créatif, Dieu donne de l'amour pour créer du lien, l'enfant crée du lien. Et puis, il y a aussi, bien sûr, l'envie de grandir. Un enfant dit toujours, quand je serai grand, quand je serai grand. Donc, il a envie de grandir, donc de progresser. Et donc, ça va aussi en lien avec cette idée que Dieu nous invite à la perfection, à progresser sans cesse pour être parfait comme il est parfait. Alors finalement, ressembler à Dieu et ressembler à un enfant, ça va dans le même sens. Et ce même sens, c'est quoi? Eh bien, c'est un cœur d'enfant. Nous avons tous à garder un cœur d'enfant, et c'est bien comme ça que nous ressemblerons à Dieu. Amen.